One, two, three, four. Bonjour et bienvenue à l'émission En route vers l'Ouest. Et cette semaine, je vous invite à écouter avec moi Marvin James et Steve Desmarais. Je suis en compagnie d'un artiste et un ami que j'aime bien du domaine country. Steve Desmarais, ça va bien? Salut Véro, ben oui. Merci d'être là. Et on parle de ta carrière que ça fait déjà 10 ans, donc 11 ans cette année. Ça fait 11 ans cette année, oui. On a fêté 10 ans l'année passée, tu t'en souviens, je pense. Oui, oui, je m'en rappelle, parce que moi aussi, bon. Mais tout ça pour dire, Steve, tu as commencé fort avec ton premier album, qui est auteur-compositeur. Oui. Il y a quelques chansons de d'autres personnes, je pense aussi. J'ai eu la collaboration d'une couple de mes chums, puis si on écoute bien les pièces, c'est pas mal toutes des pièces vécues, donc c'est des personnes qui me connaissaient très bien aussi. Mm-hmm. Qui savaient que ça tirait bien. Oui, c'est ça. Et tu as vraiment des textes assez forts et très proches des gens. Puis je pense vraiment... Moi, en tout cas, tu étais un de mes coups de cœur quand j'étais à la radio à Actonville. Et on parle de la rage au cœur, la légende du lac Saint-Pierre. Les gens dans les festivals, c'est incroyable comment ils sont derrière toi dans ces chansons-là. Là. Bien, à un moment donné, c'est ça. On se reconnaît tous à travers des chansons. Hein. Moi, c'est ma manière de m'exprimer, c'est en chantant. Puis j'aime ça, chanter des chansons à texte. D'ailleurs, mes modèles, j'ai une couple de modèles. Tu sais, on a tous nos modèles. Hein. Puis les modèles toi? Que j'ai, oui? c'est des chanteurs qui, par rapport à leur texte, ils veulent en dire long. Tu sais, ils en disent beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu faire des chansons là, qui parlaient de... T'as des histoires ouais, derrière ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, les vraies choses, pas juste comment je dirais ça, pas du vin, mais en tout cas, des vraies choses de la vie. C'est pas là. Juste une ambiance, c'est comme ça, on dit. C'est là. Ça. Il y a vraiment... Puis, en tout cas...
Toi, t'es un gars du coin de Notre-Dame-de-Pierreville. C'est ça, nativement, oui. Aussi, hein? Oui, je suis natif de là. Toute ta famille est encore là. Oui. Toi, tu puis t'habites encore là. Mais faut dire que t'es très présent dans le coin de Sorel, là, qui est quand même pas loin. Là, ben, mais... c'est ma région aussi. Oui, c'est Sorel, Trois-Rivières, centre du Québec. Puis, mais avec les festivals l'été, là, ben, je vois un petit peu... T'es un peu notre Éric Lapointe du country. Ben, on se promène pas mal, puis c'est un style différent aussi, peut-être, pour ce qui est question de... T'es pas le country traditionnel, là. T'es un peu plus... une approche... mais t'es pas rock, mais t'as un petit côté rebelle que les gens apprécient. Je pense qu'ils se voient... T'sais, je pense que t'installes une bonne ambiance proche... avec les gens dans ton public, là? Bien, j'aime bien le live. Moi, je fais des CD. J'adore les CD, mais j'adore le live. Puis je me sens dans mon élément quand je suis sur une scène. Puis avec les gens, tu sais, j'essaie d'embarquer les gens, que ce soit avec des chansons de... Comme Caillouche, que t'as... Oui, c'est ça. Je fais pas juste mon show, tu sais. Mm-hmm. J'essaie de savoir, premièrement, ce que les gens attendent. Puis bien souvent, ben c'est que ce qui arrive, c'est que je me fais demander des chansons, comme oui. Tu dis, de Caillouche, de Richard Desjardins, tu sais... Mais t'es un peu le chansonnier des festivals, l'association, parce que t'en fais beaucoup, là. On s'entend que t'en fais... Combien que t'en fais cet été? Moi, j'en ai une cinquantaine de festivals, ouais. Vraiment, là, tu sais, c'est... Dans un été, c'est énorme, là. Ça va bien, t'as ouais, pas de vie l'été, toi, là. L'été, c'est l'hiver, tu nous réponds plus par téléphone parce que l'été, t'es là, en tout cas. L'hiver, c'est un peu plus long à retourner mes appels. Oui, c'est ça. T'es à la pêche, comme on dit. C'est ça, c'est ça. Je suis au repos total. En autant que ta blonde à ta place, que t'as quatre voix. Je l'amène avec moi. Ben oui, non, je sais que vous. Puis vous êtes beau à voir. D'ailleurs, vous avez fait un festival, Notre-Dame-de-Pierreville, que c'est, je pense, la troisième. C'est la troisième édition cette année qui va être du 31 août, 1er et 2 septembre. C'est toujours là, la dernière du mois d'août, là, c'est en sûr, tant c'est que telle. C'est ça, c'est la fin de semaine de la fête du travail. Et là, t'es pas dans l'association, mais c'est incroyable comment que les gens répondent à ton festival, parce que, bon, tous les artistes sont là, ouais, en tant que telle. Oui, c'est ça. Ben, comme on disait tantôt, ça fait une dizaine d'années que je fais du festival. Puis pour dire d'en faire au-dessus de 35, ça fait 7 ans que je fais 35 festivals et plus. Donc, j'ai rencontré beaucoup de chanteurs, chanteuses que je me suis lié d'amitié avec eux autres. Puis qui c'est d'excellents performeurs aussi. Fait que on a une très bonne brochette d'artistes. Là, puis, ça, on peut aller sur site internet, anyway.stevedemarais.com, vous avez le lien, j'imagine. C'est ça, le lien est là. Puis si on parle de ton deuxième album, je pense, hein? Ça, c'est le deuxième, oui. C'est ça, Autour du feu, qui est un concept de spectacle aussi, je pense, dans plusieurs festivals. Souvent avec Éric Béchard, je ouais, pense. On fait, et d'autres artistes. On fait ça avec Éric, puis René Turgeon. De temps en temps, on garde la berne puis, avec nous autres pour faire le show. Là. Mais là, cet album-là, il n'y a pas les autres chanteurs, c'est seulement que toi, c'est des chansons... C'est le titre de l'album, il est très convaincant des histoires de chansons qu'il y a dessus. C'est vraiment Autour du feu, c'est même musicalement Autour du feu parce que c'est un album qui est comme... acoustique plus que, on peut dire, du... C'est pas full band. Il n'y a pas d'arrangement. Ben il y a des arrangements, mais plus acoustique, c'est tous des instruments acoustiques. Moi, j'ai toujours... comme on disait tantôt, moi, c'est sur le bord d'un feu que ça se passe. C'est le party, c'est là que ça se passe. T'es un chansonnier country un petit peu avec tes chansons, donc t'es vraiment un avec artiste. Avec mon style, là. Je pense que ça se marie très bien. Et là, bon, on disait que ça fait un bon nombre d'années. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, que tu aurais le goût de faire des projets après le festival que tu viens de faire, que finalement, il y a une bonne réussite? Y a-tu d'autres réussites que tu aimerais faire? Bien, je suis en production d'un troisième album. Oui? Ça, c'est bien évident que je veux en faire un autre. Puis cette fois, bien, je veux faire des chansons peut-être plus rythmées pour les gens d'événements, d'où ce que je me produis, okay. dans les festivals, c'est comme qu'on... Il faut
faut faire bouger le monde. Le monde, ils sont là pour bouger. Ils ne sont pas nécessairement mais là pour spectacle, voir un spectacle. Vraiment, ils chantent, là, les gens. Là. Oui, c'est ça. Mais là, tu aimerais ça les faire danser encore plus. Avec mes chansons, oui, moi. Oui, c'est ça. Et non des covers, à la limite. Là, parce que tu as tes très bonnes chansons. Tu as assez de matériel pour tout ça. Oui. Mais tu aimerais ça aller chercher un peu plus vers ça. Oui. Et faut dire, ton troisième album, c'est un prochain projet. Puis ensuite de ça, parce que après les festivals, tu sais, y a-tu d'autres choses que tu aimerais toucher? Après les festivals, j'aimerais avoir un break. L'hiver est là pour toi. Non, sincèrement, j'aimerais, à un moment donné, j'aimerais ça me produire avec mon ben régulier. Puis c'est sûr que sans laisser les festivals. Oui, non, je comprends, parce que ça a été ton gagne-pain. C'est-à-dire que, tu sais, pour en arriver à faire quelque chose de solide, puis, tu sais, de bien... j'aimerais ça, là... Être plus à l'écoute de Steve Desmarais et non du public nécessairement, parce que là, c'est que dirigé vers le public. Là, t'aimerais ça pour toi aussi, à amener vers d'autres choses. Oui, c'est ça. Tu sais, je me fais plaisir. C'est pas que je me fais pas plaisir. J'adore, puis je vais continuer, comme je dis, en faire encore. Sauf que j'aimerais ça avoir quelque chose plus structuré, plus rodé. Les chansons, c'est ça. Les chansons moins tout le temps être sur le qui-vive. Mais je te le souhaite. Puis sinon, en tant que tel, on peut aller sur un site Internet pour aller voir les renseignements? Bien, c'est le site Internet, c'est www.stevedesmarais.com. Les renseignements vont tous être sur ce site. Pour le festival et pour toi. Donc, ouais, les liens sont tous à partir de là. On attend le prochain album, Steve. Ben, c'est ça qui s'en vient. Ça va prendre une affaire comme 9 mois. Oui, OK, oui, c'est ça. Inside de que j'ai bien d'avoir un bébé. Alors, sur ce, on a hâte de t'entendre. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4. Samedi soir passé, j'ai été invité par une belle fille pour aller veiller. D'hier soir, on va danser, j'ai pas eu le temps de lui expliquer que moi, mon rêve, c'est de chanter. Au volant d'une Honda, emprunté d'un bon gars, je me concentre sur mes pas. Au moins on s'en va, et occupé je lui réponds pas, le fourrer dans mon cha-cha. Elle voulait pas me croire, moi je pouvais pas savoir, elle en faisait toute une histoire. Elle voulait pas me croire, j'ai mis mon bon vouloir, j'ai comblé tous ses espoirs. Ce fut un maudit beau samedi soir. Elle me dit d'un drôle d'air, tu le sais, faut pas t'en faire, c'est rien de sérieux notre affaire. Je suis certaine que ça va te plaire, mais faut que tu changes d'air, t'as l'air d'aller tout de travers. Coupe de rue plus haut, on se retrouve tout de go, devant la façade d'une disco. Y'avait là des filles à talons hauts, des petites choupettes micro, c'était pas mal mieux qu'au bingo. J'ai mis mon bon vouloir, j'ai comblé tous ses espoirs. Elle voulait pas me croire, moi je pouvais pas savoir, elle en faisait toute une histoire. Ce fut un maudit beau samedi soir. Fut un maudit beau samedi soir.
fut un maudit beau samedi soir. Une autre chanson de ton répertoire qui est une chanson que tu as écrite, Le Destin? Oui, une chanson que c'est une de mes amies, Francine Chapdelaine, qui m'a offert. Puis je trouvais que, tu sais, dans la vie, tu te retrouves dans des situations des fois que tu sais pas, mais à un moment donné, il y a des choses qui t'arrivent. Puis justement, on a appelé ça, moi, Le Destin, je pense que ça existe. Puis on a appelé ça. C'est pas nécessairement juste du hasard. Non, c'est ça. C'est une histoire que ça peut arriver encore à n'importe qui. Puis je pense que c'est l'âge. Ça, le destin. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, faut y croire. Faut y croire, le destin. Passer une soirée tranquille, prendre un verre puis reliquer. Une table plus loin, jouer une belle fée, avoir trop l'air de s'ennuyer. Voici parler, maudit imbécile, arrête de faire ton gars gêné. J'essaie de demander au waiter, mais qu'est-ce qu'a voué la fille là-bas? Il dit apporte-y un shooter, j'suis sûr qu'elle va apprécier ça. J'essaie de demander au waiter, mais qu'est-ce qu'a voué la fille là-bas? Il dit apporte-y un shooter, qu'avons apprécié ça. J'ai pris mon courage à deux mains et timidement j'étais y parler. On s'est jasé jusqu'au matin, on n'a pas vu le temps passer. Depuis on se revoit à tous les jours, on se fait pas mille promesses. On tente d'apprivoiser l'amour, c'est pas juste une histoire de fesses. J'essaie de demander au waiter, mais qu'est-ce qu'a voué la fille là-bas? Il me dit apporte-y un shooter, j'suis sûr qu'a va apprécier ça. J'essaie de demander au waiter, mais qu'est-ce qu'a voué la fille là-bas? Il me dit apporte-y un shooter, il y a envie de boîte à l'heure. Sorti un shooter, il y a envie de boîte à l'heure. Terminé, mais on y va encore une fois avec Steve Desmarais. C'est une dernière chanson que tu nous offres. C'est le titre de la chanson. C'est. Quand j'avais 18-20 ans, tu sais, j'ai fait de la musique d'abord, chansonnier, puis tout ça. Puis à un moment donné, quand il est rendu 2h30, 3h, ben, t'étais assis au comptoir, t'as fini ta job, puis
tu te demandes, qu'est-ce que je vais faire? Là, tu veux pas aller te coucher tout de suite. Et, t'es primé, toi, t'es là, primé, tu viens d'allumer tout le monde. C'est là. Ça, c'est ça. Fait que, là, ben, c'est à elle que tu as dit encore une fois. Ouais, c'est encore une fois, c'est l'histoire de quelqu'un qui était sur le comptoir, puis il se demande qu'est-ce qu'il doit faire. J'en prends-tu un autre? Ben donc, je m'en vais chez nous. Ah puis, oui? Puis finalement, il décide d'en prendre un autre. Oui, c'est ça. Mais pas pour longtemps. Il se dit, je vais m'en retourner me coucher à la place. C'est des fois ce qu'on pourrait faire. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, on écoute ça. Pense qu'on est bien assis au bon poil. En train de radoter, si on s'est compté hier soir. Pense qu'on est bien assis au bon poil. En train de radoter, si on s'est déjà compté. Me demande ce que je vais faire, je n'ai plus rien à boire. Je me commande une bonne bière, encore une autre dernière. Pense qu'on est bien bon boy, en train de radoter, si on s'est compté hier soir. Pense qu'on est bien assis au bon boy, en train de radoter, si on s'est déjà compté. Bien tard, faudrait que je quitte le bord. Pense qu'on est bien assis au comptoir, en train de radoter ce qu'on s'est compté hier soir. Pense qu'on est bien assis au comptoir, en train de radoter ce qu'on s'est déjà compté. J'espère que je m'en rappellerai pour commencer. Pense qu'on est bien assis au comptoir, en train de radoter ce qu'on s'est compté hier soir. Pense qu'on est bien assis au comptoir, en train de radoter ce qu'on s'est déjà compté. En train de radoter my car and things change my new gear, though strange.
two. We try and we try, but it's over. Yes, I need to feel the image in your mind. Now you tell. Voici Marvin James. Bonjour, ça va bien? Véronique, ça va très bien. Oui. Tu nous viens de l'Ontario, dans le coin de Timmins. Oui, Timmins, Ontario, oui, exact. Dans le même coin que Shania-Twain. Exactement. Tu n'as pas eu le bonheur de la rencontrer. Pas mais, encore. Tu as grandi quand même au son de sa musique. Ben oui, c'est sûr. Et il faut dire, tu as grandi dans la musique, là. Oui, ça c'est officiel, tu sais, parce que là, j'ai resté en Ontario avec mes parents, puis on a grandi avec la country, hein, c'est sûr, hein. Parce que c'est très présent là-bas, là. C'est quasiment juste ça, ces radios, en fait. C'est dès que tu traverses les douanes de Québec, là, c'est n'importe quel poste, c'est tout du country, hein? C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de country francophone sur les radios. Il y a nécessairement beaucoup plus J'en de... J'en ai pas entendu encore. Ah oui, certain? Même dans les villes un peu plus francophones? Ou, mettons, rendu à Alexandria, peut-être, on peut entendre un petit peu de francophone. Oui. Il y a quand même des émissions, je pense, francophones un peu, non? De, oui, des comme émissions, le dimanche après-midi, oui, des choses comme ça. Comme télé. Ici au Québec, là, en tant que tel, là, c'est pas présent. Oui. Mais là-bas, vous autres, c'est vraiment n'importe à quelle heure, vous avez du country. Fait que, 24 heures. 24. Oui, c'est ça. Fait que c'est tes influences, ça, c'est certain. Tu as grandi au quel son? Qui t'écoutait quand tu étais plus jeune? Écoute, j'ai mes deux parents ma mère puis mon père. Mon père, il écoutait beaucoup de Johnny Cash. Oui. Ma mère aimait du... Charlie Pride avec un peu de...
Marty Robbins. C'est tous ces gens-là que j'ai grandi avec. Puis c'est sûr, quand j'étais jeune, la musique comme ça, c'était pas pour moi. Hein. Non. Mais m'a dit une chose. T'écoutais quoi, toi? Ben, c'était tout du rock. Metallica, là. Non, pas du Metallica. J'aimais plus du rock smooth. C'était plus Boston, April Wine, Genesis, tu sais, ces choses-là. Là. Mm-hmm. Mais c'est parce que moi, je suis drummer. Hein. Oui. Puis j'ai joué les drums quand j'avais l'âge de 5 ans. Tu joues aussi un peu de guitare? Non, pas la guitare. Juste la drum? Juste les drums, oui. Et donc, tu as écouté du rock, mais tu as bifurqué vers le côté country. Puis à partir de quel âge tu as commencé à dire « je vais chanter » là? Écoute, ça a venu assez tard quand mes parents sont décédés, les deux. Puis c'est mon petit jeune homme, mon enfant, qui me dit... j'ai ouvert la garde-robe, puis mes drums étaient tout empilés un par-dessus l'autre. Ah oui? Il dit « c'est quoi ça, papa? » Je dis « pardon? » Tu connais pas ça. J'ai dit, check bien ça. Fait que là, je sors mon drum, puis je monte le drum, puis je commence à t'approcher, puis mon garçon, il est fait. Hey, mon père, il sait comment faire ça. Fait que là, t'as commencé à y montrer un peu? Oui, parce que tu sais, j'étais toujours dans les orchestres comme mm-hmm. Chanteur, backup, drummer. House band. Ouais. Fait que là, j'ai fait la tournée beaucoup quand j'étais jeune, puis ça, on a lâché ça, mis ça de côté. Puis là, on a donné un band de cover, j'imagine. Cover. On a essayé de faire des affaires originales, mais ça. Comme pas toutes les bandes, mais presque toutes les bandes, il y a toujours la chicane. J'aime pas faire cette toune. Ouais. C'est loin, mm-hmm. Ça paye pas. Ma blonde veut plus suivre. Exemple. Fait que là, j'ai dit OK. Fait que là, j'ai développé d'autres choses. J'ai commencé ma carrière en enseignement, puis j'ai fait mes études à l'université. Puis... En quoi? Machiniste. OK. Ouais, ça fait 26 ans que je donne des cours en machiniste. OK, donc tu travailles là-dedans. Ouais. Puis ça me permet, avec la carrière que j'ai, de faire les deux, tu sais, musique et carrière d'enseignement. Parce que tu fais pas juste ici au Québec la musique, je pense que tu y vas un petit peu Je me promène tout partout à ça, en Ontario, aux États-Unis, puis on commence un peu dans le bout de l'Ouest, Canada. Oui. Ça fait que ça va super bien. Et là, ça fait 3 albums que tu as à ton actif. 3 albums. Et c'est sur cet album-là que tu mets le tout pour le tout. Oui. On parle de Tennessee Teardrops, qui est le titre de ton album, et la chanson aussi, qui, je pense, qui fait beaucoup parler. Hein. Oui, cette chanson-là, Tennessee Teardrops, a fait de Île-de-Prince-Édouard jusqu'à Vancouver. J'ai tombé 80e position palmarès Country Canadian Music Chart au Canada. Ça, c'est le top 100, là, qui est quand même là, la bible là, des chansons. Puis c'est une chanson de qui, ça? Tennessee Teardrops, c'est j'ai une équipe de compositeurs qui reste à Toronto. Mm-hmm. Puis c'est eux qui ont écrit cette chanson. C'est ça, parce que c'est beaucoup politique, hein. On s'entend, là, les chansons, il faut que ça soit écrit par les tops, là, comme, oui. Tu sais. Oui. Et t'as d'autres collaborations aussi sur l'album? J'ai aussi un autre compositeur que lui, ici à Montréal, il s'appelle Serge Ouellette. Oui. Donc, lui, il écrit avec moi aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai... auteur compositeur aussi. Oui. J'écris mes idées sur une napkin, comme tout le monde. Oui, c'est ça. Un apron. Puis je donne ça à l'équipe, puis eux autres, ils font la chanson avec. OK. Ouais. OK. Fait que tu donnes tes idées, tout ça. Puis et sur quelle chanson tu as collaboré, justement, sur ton album? La chanson que j'ai faite. On parle de 12 chansons là, en tout. Là. Oui, c'est Words I Wish I Heard. OK. Your Smile aussi, un peu. Je donne mes idées sur d'autres chansons. Je ne les ai pas toutes par cœur, mais I Don't Need $1 Million. Fait que, tu sais, je donne toujours mes idées dans les chansons. C'est sûr que j'ai choisi aussi avec mon équipe, parce que faut que ça te touche aussi, les chansons. Oui, oui, c'est évident, là. Ouais. Et donc, toi, tu dans tout ça, quand même, tu travailles beaucoup avec ta conjointe aussi, là. Vous travaillez bien en équipe, là, parce qu'il y a le tracking radio, beaucoup de promotions. On parle que c'est un grand terrain, là. On parle du Canada au complet, peut-être les États prix. Un peu... Le prix, hein? Le prix. Ça va tout ensemble, ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as comme projet, éventuellement, d'aller chanter... pas chanter à Nashville, oui, j'imagine, mais faire ton album aussi là? Bien, regarde, dernièrement, j'ai fait PBS à Vermont. Mm. Fait que ça a été bien. J'ai fait un showcase à London, Ontario. Oui. Ça me donne à l'accès à la porte de toutes les... comment est-ce qu'ils appellent ça? Des festivals, les foires, c'est ça? C'est ça? Mm-hmm. Les foires au Canada. Fait que ça me donne l'accès à ça. OK. Fait que c'est ça notre projet. C'est pour faire des spectacles de ville. Oui.
Ça fait qu'on se bise pas mal là-dessus. Tu sais, au Québec, en tant que tel, le country américain, comment tu vois ça? Le country américain, pas aussi pour connu, moi, là. Il n'est pas aussi connu. J'apprécie... Bien que t'as une bonne place, là. Oui, j'ai fait mon chemin quand même. Mm-hmm. C'est très apprécié. J'apprécie les gens qui écoutent, qui m'encouragent. Oui, exactement. Ça. Comme toi, d'ailleurs. Mais c'est pas quelque chose... C'est pour ça, moi, j'aurais aimé que ça soit plus ouvert, tu sais, que les gens... Étant donné que les radios sont pas nécessairement anglophones ici, du côté country, ça l'aide pas, là. Mais quand tu t'en vas dans ton coin, j'imagine, là, oui, ils te font passer, ils ça, c'est certain. Ils font passer ici, au Québec. Mm-hmm. Je suis très content, très apprécié. Oui, puis si tu fais quand même l'original, il y en a beaucoup qui chantent de l'américain, mais qui font pas de l'original en tant que tel, qui font des reprises. Mais ça, c'est tout à ton honneur, d'ailleurs. Et donc, bon... J'imagine que dans le coin du Canada, tu te promènes un peu, mais tu aimerais ça t'en aller, j'imagine, aux États-Unis. Oui, c'est sûr, mais... Europe, peut-être? Europe, c'est aussi une autre place qu'on vise aussi. Aux États-Unis, je vais te dire une chose, j'ai enregistré mes albums à Nashville, puis le talent qui est là-bas, c'est fou. Hein. À tous les coins de rue, là, il y a des vedettes. C'est pas compliqué, là. Je m'en vais dans un bar là-bas. Écouter un orchestre ou bien le chanteur qui faisait mes backups que j'avais engagé là-bas. Puis je rentre dans le bar, puis je parlais comme si j'étais dans le Centre Bell. Oui. Puis les gars, les musiciens sont pas payés, là. Non, ils sont payés au... je pense que c'est des petits paniers, c'est hein? C'est ça, il y a le monde garocha là-dedans, puis les albums sont quasiment donnés. C'est parce que la chance de se faire connaître, c'est énorme, tu sais. Ça fait que c'est un territoire que j'aurais aimé exploiter, mais pour le moment, je vais prendre mon temps là-dessus. Bien, j'imagine. Mais sinon, on te voit dans les spectacles et on peut voir un site Internet aussi pour avoir des nouvelles de toi. Oui, marvinjames.com. Marvin, ça s'écrit avec un E. Le monde, il se trompe toujours avec un I, mais c'est avec un E. Fait qu'on te souhaite une belle suite dans ta carrière qui, ça fait une douzaine d'années, comme on disait, et que ça se continue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. 1, 2, 3. Well, I'm a burned out trucker with white line fever. I was running through my veins. I'm a burned out trucker, but I had to leave it. Get out on that road again. I'm a barroom brawler, honky tonk crawler. I love to have a good time. I do and holler, spend me a dollar, then move it on down the line. Big mama, keep on rolling, rolling down to San Antonio. Big mama, keep on rolling. Well, I got me a honey, spends all my money, she likes to party down. She gives me good loving treats from her oven every time that I get down. Well, I'm a burned out trucker, I'm gonna love her when it comes to love and pain. I'm a burned out trucker, long gone sucker when it comes to hot cold flames. Big mama keep on rolling, rolling down the San Antonio. Big mama keep on rolling, get your burned out trucker man cold. C'est bon les gars, lâche pas. Stop creeping, smoke is hot around the bend. Once you get by him, gotta start flying. Put the pedal to the metal again. Oh, big mama, keep on rolling, rolling down the San Antonio. Big mama, keep on rolling, and get your burnout trucker man cold. Get your burnout trucker man cold. I'm a burnout trucker man. À Mexico avec la prochaine chanson qui porte le titre. Mail myself to Mexico. C'est ce qu'on aimerait en tout cas. Oui, c'est sûr. Et bon, c'est une chanson qui est un peu cocasse. C'est rythmique. On parle d'un facteur qui, lui, il amène des nouvelles, comme on dit. Des nouvelles ou de la malle. Tu sais,
C'est chez les gens, excuse-moi. Ça va. C'est mon anglais qui sort, là. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Fait que là, il parle de des femmes qui se mettent les pieds dans le sable. Puis juste une petite chose que je vais vous dire à propos de cette chanson. Les backs vocales, c'est ma femme. Fait que, ah oui? Ouais. Ah, c'est le fun. Ouais. J'ai hâte d'entendre ça. Elle fait une partie... elle fait une partie party, là, tu sais. Elle fait les cœurs en arrière. Ouais, puis, c'est ça. Elle s'imagine sa plage, c'est ça? À peu près, oui. Voilà, bon, on écoute ça. Every day without fail, I deliver the mail to each doorstep. I think that I lose my mind if I have to climb just one more stair. Between the snow and the sleet, I'm inclined to keep losing my patience. Oh Lord, my teacher, I believe I deserve a vacation. Wish I could nail myself to Mexico with sunshine and margaritas flow. And all the pretty senoritas go to dance barefoot today in the sand. Sometimes I'm tempted just to take the chance. Find me a box and lots of postage stamps. Top it off with a big red bow and mail myself to Mexico. Hey, baby. It's easy to see how a man like me could go postal. I need a latitude where the attitude's kind of postal. Oh, but here I am working for Uncle Sam like a puppet. I should be spending my days wasting away just like Buffett. Wish I could nail myself to Mexico with sunshine and margaritas flow. And all the pretty senoritas go to dive barefoot in the sand. Sometimes I'm tempted just to take the chance. Find me a box and lots of postage stamps. Top it off with a big red bow and nail myself to Mexico. Take the chance. Find me a box and lots of postage stamps. Top it off with a big red bow and mail myself to Mexico. Une chanson que tu as eu l'occasion de mettre tes idées, la deuxième chanson qui est sur ton album, le oui. titre c'est... Words I Wish I Heard. Oui, et oui. De quoi ça parle? Ça parle de ma vie, ça parle quand j'étais jeune, ça parle que j'ai manqué, j'ai pas manqué, mais j'aurais aimé que mon père me dise qu'il m'aimait. Mm-hmm. C'est quelque chose que... C'était pas dans la mentalité dans ce temps-là. Exactement. Hein, fait que, on peut pas donner ce qu'on n'a pas eu. Hein. Justement, mais j'aurais aimé mm-hmm. attendre, tu comprends? Mm-hmm. Puis la seule temps, c'est un peu triste qu'est-ce que je vais dire, mais la seule temps qui me dit que je t'aime t'aimais. Beaucoup, oui, c'était sur son lit de mort. Fait que, mieux vaut tard que jamais, c'est ben, là que écoute, la phrase prend tout son sens, comme on dit. Exactement, mais tu sais, j'ai pas... ça m'a touché beaucoup, hein? Mm-hmm. Tu sais, j'étais un gros sensible. Ben, c'est correct, on aime ça en chanson et tu nous offres cette chanson-là. One, two, three, four. He said, go away, boy, don't bother me. Can't you see that I'm busy? I'm just sitting here having a beer. Life's getting to me. I've got no time for playing games. My old back's acting up again. With tears in my eyes, I turn away, wishing once I could
hear him say, good job, son, that way. Great hustle on that play. You know I'm so proud of you, giving your best in all you do. These are the words I wish I heard my daddy say. Now there are times in my life I could have used his advice. He never once said how much he cared, or maybe he was just too scared. I guess it wasn't meant to be. Would have meant the world to me. Every night I would pray just to hear him smile and say, good job, son, bad way. Great hustle on that play. You know I'm so proud of you for giving your best in all you do. These are the words I wish I heard my daddy say. Now I see him lying there, knowing the end of life is near. He puts a feeble hand on mine, whisper, son, I wish we had more time. That's the way it goes in life. Things don't work out right. His final breath, I hear him say, love you, son, bad way. Good job, son, bad way. Great hustle on that play. You know I'm so proud of you. Your best in all you do. These are the words I wish I heard my daddy say. Oh, these are the words I wish I heard my daddy say. Lord, and these are the words I wish I heard my daddy say. Someone told me long ago, there's a calm before the storm, and I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day, and I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is on. I know I've been that way for all my time. Till forever gone it goes, through the circle fast and slow. I wonder,
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous laisse avec des extraits de la semaine prochaine.